l'ordre, Malfurion. Présentez la puissance du monde sauvage. Devant vous se tient Mechajaxus. Pas fameux le deck hyper contre tout. C'est vrai que sur cet immense échantillon de 4, de 7 games, alors on a vu tout le potentiel du deck. Tant que je suis en positif avec le deck, je vais continuer à jouer. Et après, on changera, je pense. Tamzin plus Néant te donnait le clean sur 2 tours, tu récupères la copie avant qu'elle meure. Regarde la quantité de mana que j'avais. Oh. Oh 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 oh. On verra un peu de Shaman Piranha, j'ai testé un peu le deck hier et c'est vraiment une poubelle. Hein. Je sais pas si on va le jouer. Je sais pas s'il rentre dans la catégorie deck fun ou dans les decks trop nuls pour être fun. C'est discutable. Ça pourrait clairement se discuter. Tu vas avoir une win avant d'aller manger? On va gagner cette game, je pense. J'ai les nuts absolus et il a pas l'air d'avoir son nourrir. Je vois pas comment il pourrait gagner. Il faut juste qu'on pioche. Quoi, crustacé? Si on pioche crustacé, c'est fini là, ouais. J'hésite à faire Tamzin, j'ai peur d'overdraw. Je pense que je vais coil. Life tap et. Jouer le rampeur. Au prochain tour, on va avoir le tic de réduction. Et à partir de là, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'ai déjà la mine, attendez. C'est possible que ne pas jouer Tamzin soit correct. Pour setup un OTK avec Min Tamzin. Attendez, non, parce qu'on aura le mouton dans tous les cas. Et donc prochain tour, faut probablement que je joue la Min. Est-ce que j'ai l'étal là? Tac tac. Peut-être 8 de faire avec la Womé avec le mouton. Et je pense que j'ai pas l'étal sur ce tour. En tout cas, je le vois pas. Ouais, je pense que je vais faire la Tamzin quand même. Attendez, on va faire l'Hospice d'abord, on s'en fout de le blesser. Ok, alors, mine, on te fait toucher sur la mine, Tamzin, mouton, ça fait déjà 16. Je suis la mère. Pourquoi il a joué dans ce sens là? On peut faire client avant.
Ok, on a 24, 28. Qu'est-ce qui vous prend autant de temps? Spécialiste des fouilles. Non, j'ai que 28, hein, je crois. On va aller chercher le kill avec la spécialiste des fouilles au prochain tour. Le problème, c'est qu'il pourrait jouer une écaille. Ce qui peut être embêtant, je suppose. On fait un client. Client spécialiste et on se dit qu'on trouve le kill. Vu que j'ai le deuxième client, je pense que ça me dérange pas. Alors avec la maîtresse des mélanges en plus, le problème c'est qu'il y a du heal, donc elle ça compense un peu. En vrai je vais prendre néant du coup. Prendre néant parce que ça on représente pas le kill là maintenant. Peut-être en train de me commit sur un plan mine au dark parce que s'il monte au-dessus de 56 on pourra plus le tuer. À faire Ekai là. Ekai ça complique un peu les choses. Ekai ça me force. Ok, combien je dois avoir de créatures? Je dois avoir 4 créatures sur le board concrètement pour tuer en plus de la mine. Hein. C'est ça. On va faire la baguette. On va fuck la baguette, hein. On a déjà réduit toute notre combo. Okay, donc la maîtresse des mélanges ça nous convient pas vraiment. De faire des bêtises là je crois. La maîtresse des mélanges c'est pas une créature qui convient pour setup le TK mine. Hein. Partant du principe qu'il n'y ait pas Ivus, si on trouve la cargaison malicieuse qu'on a échangée on gagne. Hein. Il peut pas faire un Ivus qui nous setup l'étal là je crois dans tous les cas. On va néant. Maîtresse des mélanges rajoute 4 dégâts, ouais c'est ça. Là pour l'instant on a quoi? On a 4. 12. 20. 24. Si on trouve cargaison malicieuse, on a 56. Donc on le tue même sur une écaille. Est-ce qu'on le tue sur double écaille? Il ferait quoi? Il ferait... 10, 11. Mais on aurait quand même l'étal sur double écaille là. Et le coil. C'est assez insane parce que je vais faire client, piocher et quand même avoir le kill derrière. Oui parce que je peux faire client. Ah, il manque rien, c'est frustrant en vrai. Mais là ouais, le souci que j'ai, c'est que du coup, si je fais tac... Là j'ai pas parce que... Je vais devenir fou. J'ai pas parce qu'en fait il me manque un de mana pour pouvoir tuer... La Tamzine et la 3-3, hein, c'est ça? Je devienne fou. Tu drops pas la mine à ce tour parce que je pourrais plus tuer avec le crustacé si je drop la mine. J'ai aussi un potentiel kill crustacé. Hein.
J'ai voulu jouer un peu vite dans cette game en fait. J'ai voulu mon kill à la mine et je suis j'ai un peu tout commit, tous mes removes et tout. Et pour l'instant c'est fine. Mais ça pourrait revenir me mordre quoi. On a 1, 2, 3, 4, 2, 36. Putain, enfin. Oh, quelle angoisse ça aurait été cette game. Elle était théoriquement gagnée depuis le début, fallait juste pas la choke. On voit pourquoi le fait de drop la mine fait que t'aurais pu le kill avec Crustacé et de manquer un paramètre. Parce qu'après il y a trop de râles d'agonie sur mon. Dans mon pool de râles d'agonie. Je peux avoir le kill sur Crustacé, c'est même statistiquement probable, mais c'est pas une certitude.